Bienvenue sur la chaîne Active Paint Pro. C'est un communiqué commercial. On va faire une mise en peinture des fenêtres. Donc, pour traiter le bois, il y a trois mises en œuvre différentes. La première, c'est sur des bois qui sont neufs ou des bois qui sont plus vieux mais qui n'ont jamais été traités. Donc là, il y a deux mises en œuvre différentes. La deuxième possibilité, c'est la mise en œuvre d'un bois, mais sur lequel le film, que ce soit peinture ou lasure, ce film serait dégradé. Donc là, c'est encore une autre mise en œuvre. Et la troisième mise en œuvre qui nous concerne, le film, lui, est de bonne qualité. C'est une lasure, peinture ou lasure. Donc là, c'est une lasure, elle est de bonne qualité. Je vais utiliser deux types de produits. Un produit décrassant et en même temps, il va gommer le film légèrement, quelques microns du film de la lasure, dans ce cas précis. Ce qui va permettre une très bonne accroche. Et après, j'utilise un demi-deck Ultimate Vindu. C'est une peinture à base de résine polyuréthane. Et donc, je vais faire la mise en œuvre en trois couches. Dans un premier temps, ce qui est important, c'est la préparation du support. Donc, il faut dégraisser. Donc, je vais boucher les trous. Et puis, je vais préparer mon support et je vais faire la mise en peinture. Ici, il y avait les empreintes pour mettre les petits bois de chaque côté. Et il y a la même chose de l'autre côté de la fenêtre. Donc, il y en a 6 par grande baie et 2 par petite fenêtre. Bon, ce que tu vois ici, ça s'appelle du butyl. C'est une espèce de pâte caoutchouteuse. C'est un produit qui était obligatoire dans l'étanchéité à l'air des fenêtres dans les années 80. Maintenant, ils mettent des joints d'étanchéité, donc ils n'utilisent plus ces produits. Et donc ça, il faut absolument l'enlever parce que tu ne peux pas peindre dessus. C'est un produit qui ne sèche pas. Tu vois, 30 ans après, voire même 40 ans après, ça reste collant. Donc bon, j'ai de la chance, il n'y en a pas beaucoup. Donc si tu en rencontres sur tes fenêtres, il faut que tu les enlèves. Ne peins surtout pas dessus. Je vais utiliser le produit Usvask concentré, donc dilué à 19%. Je vais faire donc une application au chiffon. Une fois que c'est bien rincé, il faut faire un bon temps de séchage et après c'est une mise en peinture. Donc tu peux le faire à l'éponge, tu peux le faire à la brosse au niveau de l'application. Tu peux le faire aussi avec un pulvérisateur et puis tu peux le brosser et tu peux faire un rinçage aux hautes pressions si tu veux. Alors bon, par contre, tout ce qui est haute pression, tu règles environ entre 50 et 80 bars, pas plus. Et ton jet, tu le mets quand même relativement loin. C'est un produit concentré, donc j'en mets un pour 19. Donc je disais, ouais, il va gommer le support. Et l'avantage, c'est qu'il va préparer le support à la peinture. Le film, que ça soit peinture, lasure ou autre, sera gommé avec le produit. Je l'applique sur ma menuiserie et ça va favoriser l'accroche de la future peinture. Je vais laisser agir 5-6 minutes et puis après, tout simplement, ça sera un bon rinçage, un séchage et l'application. Donc tu commences ta fenêtre par les barreaux, là où il y a les joints. Donc c'est une peinture qu'il faut poser. Et une fois qu'elle est posée, évidemment, il ne faut pas faire de coulure, mais il ne faut pas trop la travailler. Tu vois là, je la travaille trop. Voilà, tu la poses, tu gardes un film dessus, assez important. C'est pas comme une laque à l'huile où tu dois la tendre et la travailler. Concentré sur mon joint et pas du tout sur le reste. Les départs sont pas faciles.
année, ça se retravaille, bon, comme il y a trois couches, hein, les prochaines couches seront beaucoup plus filantes et donc tu seras beaucoup plus précis. Donc je ne peins pas le joint en caoutchouc parce que ça ne tient pas dessus. C'est un joint à base de silicone et la peinture ne tient pas, la peinture ou la lasure. Il n'y a rien qui tient sur ce genre de matériau. Donc une fois que ça c'est fait, eh ben, tu peins dans le sens du bois. Voilà. Pas trop tiré, voilà, tu gardes, tu fais en sorte que ta corde soit dans ce sens et celle-ci dans celui-là. Donc là, je vais essayer avec un pinceau synthétique. Voilà. C'est pas pratique d'une main. Ça marche mieux avec un pinceau synthétique. Tu déposes ton film. Voilà, ça c'est la troisième couche. Donc le produit est vraiment agréable à utiliser, hein. Il se tend bien, il est très couvrant. Bon, là j'ai mis trois couches parce que vraiment les menuiseries étaient très foncées. 2000 decks vendus, c'est une lasure qui est alkyde et acrylique renforcé en uréthane. Tu peux la faire teinter en 5000 couleurs. Voilà, donc le tuto est terminé. J'espère que ça t'a plu. Tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux partager. Et puis laisse-moi un commentaire et regarde plus de vidéos en cliquant sur les playlists qui apparaissent. Je te dis à bientôt.